dans ce moment de ma carrière, j'ai besoin de me sentir important, de retrouver des bonnes sensations. Je pense que j'ai fait le bon choix. J'ai de très bonnes impressions. On a un bon groupe, on a le centre d'entraînement aussi, le stade, tout. Franchement, j'ai bien aimé. On a toutes les conditions pour être mieux ici. Franchement, je sens la confiance de mes partenaires, de la direction du club, du coach, de tout le monde. Donc ça, c'est bien. Moi, j'ai besoin de me sentir important. Et avoir ce rôle-là ici dans l'équipe, c'est important pour moi. Et maintenant, il faut être là, il faut montrer. Le moment où j'étais en train de monter dans ma carrière, j'ai eu des blessures que c'était compliqué. Mais avant, c'est le foot, il faut toujours penser positif et il faut continuer. Et c'est pour ça que je suis là, pour montrer à tout le monde ce que je peux faire. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé pendant ces derniers mois pour retrouver ma confiance. Et là, petit à petit, avec des matchs, je suis sûr que je vais retrouver le Ronny Lopez de Monaco au mieux encore. Je suis là pour donner mon meilleur et je sais que si je fais ça, je vais aider tout le monde. Donc, je vais travailler, je vais aider les plus jeunes joueurs pour apporter quelque chose à l'équipe. Franchement, il y a de la qualité dans le groupe, il y a des jeunes joueurs. Je pense que nous, non, bah, les joueurs avec plus d'expérience, on peut aider les jeunes. Et même les jeunes, il y a des jeunes avec de qualité pour s'améliorer beaucoup quand même. C'est le début de saison, donc il faut être tranquille, il faut travailler, il faut rester positif pour gagner des matchs. Donc c'est pas un problème, c'est que 3 matchs, donc on a beaucoup de temps pour faire mieux. C'est un secteur de jeu dans lequel on avait envie d'apporter de la qualité et l'opportunité que Coroni puisse nous rejoindre, c'était pour nous l'une des meilleures idées possibles, forcément par rapport à son expérience, à son vécu en France notamment, dans différents clubs. Et notamment des très bons clubs et des clubs de haut niveau français. Donc voilà, on est très heureux qu'il nous rejoigne, qu'il puisse nous apporter toute son expérience, qu'il puisse partager son expérience du haut niveau, des différentes aussi compétitions européennes qu'il a pu jouer ou avec l'équipe nationale, avec son équipe nationale. Et qui, j'en suis convaincu, aidera l'Estac à obtenir son objectif final. Ronny Lopez a les qualités pour renforcer ce secteur. Il l'a démontré et il a, malgré son jeune âge, une carrière qui est déjà assez longue. On parle de City, on parle de Monaco, on parle de Nice. Là, il arrive à l'Estac et il arrive, et je lui ai dit, il arrive, il va falloir qu'il prenne un rôle important de par son vécu, de par... ce qu'il est capable d'apporter, il va devoir avoir les épaules pour assumer les responsabilités et le rôle important qu'il va avoir dans cet effectif. Il y a des jeunes qui ont montré aussi offensivement, qui peuvent nous apporter des choses. Il est là aussi pour les accompagner. Et donc, voilà, il est à nous de rapidement l'intégrer, que ce soit dans le projet Estac, dans cet effectif, on l'a depuis le début de la semaine, et à lui de prouver, voilà, qu'il est venu aussi pour ça. Il est venu, ça fait quelques saisons qu'il n'a pas forcément ce rôle important dans un effectif, et j'attends de lui qu'il prenne l'animation offensive, qu'il prenne les choses en main dans le respect du club et du collectif qui est mis en place. Pour l'avoir connu et avoir observé aussi ses rencontres, il aime bien utiliser son pied gauche. Il peut jouer à gauche aussi parce qu'il est capable de prendre la profondeur. Il peut jouer avec un deuxième attaquant dans l'animation qui est la nôtre. Il peut jouer aussi ce rôle-là. C'est une corde de plus à notre arc offensif. On en attend peut-être encore. Mais il peut évoluer à ces différents postes. Peut-être moins, effectivement, en attaquant axial. Mais ces deux postes sur le côté, il peut le faire.